Bonjour Sébastien Boller, je suis vraiment Bonjour. très heureuse de vous recevoir. Bonjour, bonjour Marion. Je pense que beaucoup de notre communauté ne vous connaissent pas, mais j'ai vraiment le plaisir, et ça active mon striatum justement, de vous recevoir, parce que votre livre, hop, je le montre, Striatum, tout le monde devrait l'avoir sur sa table de nuit. C'est un livre très facile à lire. Et il faut qu'il sache que vous êtes rédacteur en chef de Psycho, Cerveau Psycho. Et vous épluchez le cerveau comme on a épluché le cerveau d'Einstein. Et ce que j'aime bien, c'est que vous l'appliquez aux neurosciences, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'éplucher. Il faut essayer de comprendre les mécanismes. Et en comprenant ces mécanismes, on peut peut-être chacun prendre des décisions qui vont nous permettre de bien vivre sur cette planète et que cette planète soit congruente sur tous les plans. Et donc, quand j'ai un petit peu fouillé ce que vous faisiez, alors bien sûr, j'avais lu Le bug humain, dont j'avais fait des articles en 2019, parce que le bug humain, c'est juste essentiel à comprendre, mais on en parlera tout à l'heure. Et j'ai découvert que finalement, c'est suite à une prise de conscience, parce que bon, vous êtes polytechnicien, vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau Psycho, mais avant ça, vous aviez travaillé sur des capital risques financiers, et les mecs, ils vous disent, achète-toi ce qu'il y a de plus cher, parce qu'ils n'arrivaient pas à dépenser tout ce qu'ils gagnaient, vas-y, achète-toi les Rolls, machin, les trucs les plus chers. Et là, ça fait un bug chez vous. Vous pouvez l'expliquer, ce qui a évidemment créé cette envie de nous partager ce sens, cette quête de sens. Ouais, j'étais tout jeune en fait, et effectivement, j'avais tenté une petite incursion dans le monde du capital risque, donc avec quand même l'idéal de pouvoir participer à financer des innovations bénéfiques pour la santé, hein, ce qui est aussi vrai, hein, ce qui arrive. Mais je me suis retrouvé quand même effectivement dans une structure, dans une entreprise où celui qui était mon N plus 1 m'avait demandé d'aller m'équiper en matériel électronique. Moi, je connaissais pas grand-chose et je lui demande. Qu'est-ce que je dois prendre? Et il me dit, au lieu de me dire, tu as besoin de ceci et de cela, il me dit, prends ce qu'il y a de plus cher. Et ça a l'air idiot comme ça. Mais je me suis retrouvé là dans la boutique de téléphonie, d'électronique, et avec cette phrase qui me trottait dans la tête, et je me suis senti vraiment très, très mal. J'ai commencé à faire une espèce d'attaque de panique. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. Et j'ai flanqué ma démission tout de suite. Je ne vais pas rester 24 heures parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui clochait. Ah, c'est bien. Il y avait une perte de sens, quelque chose à quoi ça rime? C'est quoi Ouais. que ça veut dire? Pourquoi faire les choses simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus d'argent, de pouvoir, de démonstration, de statut? Et ensuite, j'ai fait autre chose, j'ai fait de la vulgarisation, j'ai fait de la communication scientifique, j'ai trouvé un sens dans ce que je faisais. Mais des années après, quand même, ça m'est revenu cette anecdote parce que devant un monde qui est emporté par souvent cette motivation d'acquérir, d'accumuler, de démontrer son pouvoir, sa réussite, je me suis souvenu qu'il y avait ce ressort qui s'était coincé en moi. Je me suis dit, sans doute que ce ressort, il existe en chacun, et que si on ne fait pas attention, on risque gros pour son équilibre personnel, et évidemment pour les conséquences que ça a en termes de surconsommation, de surproduction, et de Et destruction oui. de notre environnement. Voilà. Et pourtant, vous ne rouliez pas sur l'or. On vous proposait une Rolls, c'est. Non, oui, ça aurait pu être tentant, mais justement, c'était trop lunaire, je ne sais pas, enfin, trop incongruent, vous avez pris le terme de congruence, il y avait quelque chose qui n'était pas en accord avec ce qui peut faire sens, simplement. Alors, justement, striatum. Vous nous révélez. Je vais juste faire un tout petit résumé. Donc, apparemment. On a mis des millions d'années à créer nos organes, notre survie, et ce striatum, et cette zone du cerveau qui nous a permis justement cette survie en nous donnant des récompenses. Il est sa monnaie d'échange universelle étant la dopamine. Tout le monde sait que la dopamine, oh, c'est quel plaisir et c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Comment se fait-il que ce striatum, donc ce shooté à la dopamine, qui nous a permis de survivre, aujourd'hui menace notre planète? Donc, il faut donner les mécanismes de. Oui, c'est toute la question. Alors, le striatum, c'est un organe qui est logé au fond de notre cerveau, qui fait à peu près la taille on dirait une balle de golf à peu près, et qui a une histoire très très ancienne, puisqu'il existait déjà chez les premiers vertébrés, donc des animaux fossiles comme la lamproie, c'est un poisson fossile qui existait déjà il y a 300 millions d'années.
Et il s'est transmis en fait à travers toutes les espèces vivantes, jusqu'aux mammifères, jusqu'aux primates et jusqu'à l'être humain. Et il est vraiment très très puissant. Il n'a pas varié hein, tout au long de toutes ces échelles de temps, ce qui est un signe de sa robustesse et de son importance. Et quand on regarde ce qu'il fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il nous incite à reproduire un certain nombre de comportements en nous récompensant avec de la dopamine quand on le fait. C'est un peu comme une carotte hein, qui nous met devant le nez pour qu'on agisse d'une certaine façon. Et à chaque fois qu'on va faire ces comportements, il nous donne de la dopamine, il nous donne du plaisir, donc ça nous incite à recommencer. Et quels sont les comportements qui sont récompensés par de la dopamine? Eh bien, ce sont des comportements qui ont été vitaux pour la survie de notre espèce depuis des millions d'années. On va dire, l'humain, en tant que genre, Homo, existe depuis à peu près 3 millions d'années. Homo erectus, il y a 3 millions d'années, c'était des petits êtres bipèdes qui vivaient dans la savane et qui essayaient de se débrouiller pour survivre avec pas beaucoup de moyens. Mais ce qui était très important à l'époque, c'est d'une part de se nourrir. Donc dès que vous arrivez à capturer une proie, par exemple une antilope ou un mammouth, il faut avoir envie de manger. Et donc à chaque fois que nos ancêtres mangeaient, eh bien, leur striatum les récompensait avec un shoot de dopamine, donc un bon coup de plaisir. Et donc ça renforce toutes les connexions des neurones qui vont faire qu'on va avoir envie de retourner manger. Donc heureusement que ça existe, ce truc, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais simplement, ce qu'on constate, et c'est là qu'on voit que ça commence à déraper un peu, c'est que ce striatum, il nous récompense sans limite. C'est-à-dire que à l'époque de nos ancêtres, si vous attrapiez une proie, vous n'étiez pas sûr d'en avoir une autre avant des semaines. Et puis, il n'y avait pas de moyen de conserver la viande. Donc, ce qui est très important, c'est quand vous pouvez manger, vous avez intérêt à manger beaucoup. Et donc, le striatum nous récompense quand on mange le plus possible. Il faut faire des réserves. Ceux qui ont survécu, c'est ceux qui pouvaient s'empiffrer d'une certaine façon. Et le problème, c'est qu'après, quand on arrive dans un monde comme le nôtre, monde moderne, avec de la technique, avec des machines extrêmement performantes, eh bien, cette agriculture industrielle va produire des millions de tonnes de céréales, de viande liée à l'élevage industriel. Et comme le striatum, lui, il est resté le même, il continue à avoir envie de manger le plus possible. Il n'est pas fait pour se Et limiter. voilà. Et donc, il s'empiffre sans limite et ça donne les pathologies de l'obésité qui sont en progression galopante sur tous les continents et qui montrent qu'on est face à une problématique de l'abondance et qu'on ne sait pas gérer l'abondance parce que notre cerveau ancestral est fait, lui, pour prendre tout ce qu'il peut quand il le peut. Et il donne de la dopamine en boucle. Et aujourd'hui, on commence à parler d'addiction alimentaire, justement, parce que bah, cette logique du toujours plus, c'est la base de l'addiction. Et alors, il va nous récompenser comme ça quand on mange, mais aussi quand on a des relations sexuelles, parce que c'est essentiel aussi pour la survie de l'espèce. Et malheureusement, quand on arrive dans une société où l'offre de sexe est pléthorique sur les réseaux, par exemple, eh ben, on se retrouve avec de l'hyperconsommation sexuelle, avec des addictions sexuelles là encore, parce que notre striatum, lui, il en veut toujours plus. Eh oui. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez ces chiffres qui montrent qu'on consomme 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Donc ça a Incroyable. complètement explosé. Et puis ça a un impact en plus hein, pour l'environnement. On sait que le secteur du numérique, ça dégage pas mal de gaz à effet de serre. Donc malgré notre volonté, notre prise de conscience des conséquences de nos actes, nous en tant qu'espèce, sur la destruction de notre planète, c'est pas nous qui tenons les rênes de notre comportement. C'est ce petit centre cérébral ancestral, parce que c'est lui qui détient la dopamine, qui est la source du plaisir. Et lui, il connaît pas de limite. Donc, il va nous pousser à croître de plus en plus. Et on s'aperçoit même que bah, si on n'augmente pas régulièrement les doses dans notre consommation, on reçoit plus de dopamine parce qu'il se lasse. Donc, on est condamné à croître d'une certaine façon par ce mécanisme. Et oui, et donc on comprend que, par exemple, pour notre pancréas, nous, on a l'insuline, mais on a le glucagon, on sait faire un stop et réguler. Pour le striatum, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. Il n'y a Il n'y a pas aucun de frein. frein, non. Non, parce qu'il faut voir que pendant quand même 99% de notre temps de présence sur Terre, nous les humains, on a vécu dans un monde hostile, dans un monde de rareté, où il suffisait pas d'appuyer sur des C'est boutons pour ça. avoir à manger. Ne vouloir le plus possible, c'était la garantie de la survie. Oui. Et si vous commenciez à vouloir faire un régime il y a 300 000 ans, ben, vous passiez à la trappe et c'était terminé pour votre descendance. Donc, on a été programmé pour ça. Eh oui. Notre système de motivation, parce que le striatum, c'est celui qui crée notre désir, notre motivation, ne connaît pas la limite. Et il n'y a aucun système dans ces circuits cérébraux qui permet de tracer la limite entre les besoins de base et les désirs.
Rien ne permet de tracer la limite de façon très très claire. Ce qui fait que quand on crée des nouveaux désirs, le striatum va s'engouffrer dedans. Vous avez par exemple le désir de statut social, c'est-à-dire le désir d'avoir une visibilité sociale, d'être important dans un groupe. Là encore, ça a été inscrit dans le logiciel de base de notre cerveau, dans ce fameux striatum, parce que pour nos ancêtres préhistoriques, avoir un statut important dans un groupe, ça augmente les chances de survie. On le sait aujourd'hui parce que ça augmente l'accès aux ressources alimentaires. Plus vous êtes important dans votre groupe, plus vous avez la prévalence quand il s'agit de partager la nourriture. Et plus ça augmente votre accès aux partenaires sexuels. Donc là encore, ça augmente votre descendance. Donc il va y avoir un phénomène de sélection génétique sur tous les striatums qui veulent être importants dans leur groupe. Et donc vous faites passer cette mécanique de sélection pendant 3 millions d'années sur le cerveau humain, vous obtenez un striatum qui veut du statut social. Et donc il se retrouve dans un monde où, par exemple, on va pouvoir acquérir un statut social, par exemple, en ayant le dernier modèle de smartphone. Eh bien, il suffit qu'il y ait une industrie qui propose chaque année un nouveau modèle pour que le striatum, lui, se jette dessus, parce que c'est ça qui fait qu'il va libérer de la dopamine. Il a été calibré pour ça depuis 3 millions d'années. Donc, ce qui fait que c'est à la fois très difficile de résister quand on n'a pas conscience de ces mécanismes, et en même temps, c'était une aubaine pour toute une branche de l'industrie qui va surfer sur cette logique incrémentale de nos désirs. Oui. Et alors, le striatum, stria, j'ai cru comprendre qu'il y avait 5 expressions majeures de ce striatum, le D1, D2, D3, dopamine. Vous voulez bien, parce que je sais qu'il y a une légère différence dans cette articulation de ce striatum. Il y a les 5 grandes motivations. Je ne sais pas si c'est ça que vous parlez. Vous parlez des différents récepteurs de la dopamine. Voilà, les différents récepteurs. Voilà, oui. C'est les différents récepteurs parce que bon, j'ai un petit peu cherché aussi et j'ai demandé à ChatGPT. Ouais. Alors, ça, c'est dans le comment fonctionne la dopamine dans le cerveau. Donc, c'est une molécule qui est produite dans des noyaux cérébraux profonds, dans le tronc cérébral. Ça s'appelle la substance tegmentale ventrale la substance noire. Et cette dopamine va être libérée dans des neurones du striatum et va se fixer ensuite sur des neurones voisins. Et elle va transmettre ainsi l'information nerveuse d'un neurone à l'autre en se fixant sur des récepteurs, c'est-à-dire des molécules qui ont une structure complémentaire. Et effectivement, il y a plusieurs types de récepteurs de la dopamine, certains qui vont être plus impliqués dans la sensation du plaisir pur, et d'autres qui vont être plus impliqués dans le renforcement des connexions justement entre ces neurones, ce qui va être la base de l'apprentissage ou de la régulation des mouvements. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que le rôle du plaisir, ce n'est pas simplement de se sentir bien, c'est de nous inciter à faire certains comportements. Mais derrière, il y a un renforcement des connexions entre neurones qui font que le comportement qui a permis d'obtenir du plaisir est renforcé, c'est-à-dire sa probabilité d'être reproduit ultérieurement augmente. Les circuits de neurones sont plus solides, donc on va avoir tendance à reproduire ce comportement de façon toujours plus régulière, de plus en plus fiable. C'est un énorme outil pour l'apprentissage. Mais quand ce système, on va dire, s'emballe, ça donne des formes un petit peu pathologiques de l'apprentissage, que sont les addictions. Les addictions, c'est un apprentissage extrême où on renforce tellement certains circuits qu'on ne peut plus faire autre chose que de les activer. Et d'ailleurs, ils savent rebondir là-dessus aujourd'hui avec cette énorme industrie numérique, puisque vous disiez justement que l'information, la moindre petite information était importante à l'époque pour savoir si telle trace d'animal ou tel brindille coupé pouvait nous dire qu'il y a un prédateur qui est là, etc. Aujourd'hui, les informations, les fake news, on est tellement bombardés que waouh! Et pourtant, ils utilisent ça pour nous rendre addicts. Là encore, ce qui est intéressant, c'est grâce à ces connaissances sur le cerveau humain, c'est de comprendre que ce qui nous arrive, c'est le résultat d'une très longue histoire et que notre cerveau a été pendant très longtemps notre outil de survie. Ça a été notre allié. Vous prenez l'exemple de la sensibilité, de l'envie humaine d'information. C'est vrai que l'humain est un dévoreur d'information. En fait, ça a été vital
pour nos ancêtres pour survivre. On voit par exemple que en situation, par exemple, quand vous cherchez à survivre dans la nature, votre capacité à survivre va dépendre de votre aptitude à déceler des informations très subtiles. Par exemple, on le voit chez les pisteurs, chez les chasseurs-cueilleurs, par exemple, des gens qui savent repérer une branche cassée, une brindille écrasée, et dire « Ah, là, il y a un animal qui est passé ». Et ensuite, repérer une empreinte un peu plus loin et savoir distinguer une empreinte de prédateur, une empreinte de proie, parce que c'est une question de vie ou de mort. Si vous savez bien l'information et l'interpréter, vous survivez. Sinon, vous mourrez. Et donc, la sélection naturelle a sélectionné les striatums qui étaient extrêmement sensibles à ce type d'information. Et là où tout change dans l'histoire humaine, c'est que ce système, il a été calibré pour détecter des informations très subtiles, très difficiles à détecter. Si vous allez essayer de survivre en milieu naturel, vous allez voir que c'est très difficile à repérer. Et donc, il est extrêmement sensible à des informations à bas bruit. Mais si vous projetez ce vieux système préhistorique dans le monde moderne, qui a été créé par la technique, vous voyez qu'on vit dans un monde qui est saturé d'informations. C'est des enseignes lumineuses dans la rue, dans le métro, ça va être des alertes email dans votre écran quand vous travaillez, ça va être les notifications sur votre téléphone, ça va être les fils d'informations continues sur les chaînes d'information. Vous pouvez faire défiler comme ça infiniment. Il y a le terme scroller qui est venu désigner cette pratique. Ce qui se passe, c'est que ce système ancestral extrêmement sensible aux informations discrètes se retrouve devant une pléthore d'informations extrêmement attirantes. Et évidemment, à chaque fois, il y a de la dopamine qui coule, et donc il ne sait pas résister. Et on a inventé d'ailleurs un terme pour désigner cette disproportion, c'est l'infobésité. C'est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour la nourriture. Parce qu'on ne sait pas se retenir d'aller vers toute cette masse d'informations, et donc on est carrément obèse d'informations, c'est-à-dire qu'on en est détruit de l'intérieur, on ne sait plus comment la métaboliser, et ça donne à la fois une impossibilité de hiérarchiser, d'analyser ce qui nous arrive, et toujours cette vulnérabilité à toute petite information, aussi insignifiante soit-elle, aussi anecdotique soit-elle, ce qui compte, c'est qu'il y en ait une. Et donc, on se retrouve à avoir des shoots de dopamine en boucle, sans forcément améliorer notre compréhension de l'époque ou des enjeux dans lesquels on vit, parce qu'il y a trop d'informations, on ne prend pas le temps de hiérarchiser. Pour analyser, il faudrait sélectionner les informations, renoncer à prendre toutes les informations qui nous arrivent pour se concentrer sur quelques-unes qu'on essaye de structurer. Mais pour ça, il faut réfréner la tentation d'avoir le petit shoot de dopamine du striatum. Donc, ça fait intervenir un effort. Et c'est là que l'effort, voilà, il arrive dans la boucle. Oui. Eh oui, mais disons qu'avant, les êtres humains étaient forts, les femmes étaient attirées par celui qui avait le plus de testostérone, qui était le plus fort. Aujourd'hui, un mec peut être tout maigre, mais derrière son ordinateur, ça peut être un geek, c'est-à-dire un hyper fort en information informatique, et il peut être le roi du monde. Hein. Il y a eu des livres d'ailleurs écrits sur ce sujet avec Bernard Werber. C'est plus du tout juste. Les mêmes forces, le pouvoir n'est plus au même endroit. Alors, il y a deux choses. Si on regarde quand même ce qui crée encore en général la séduction, ça va être en général quand même le statut social. Statistiquement, même si évidemment, je veux dire, dans nos expériences individuelles, on sait très bien qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'a ni argent ni pouvoir, mais qui va avoir un trait de caractère qui nous plaît, qui va avoir une forme d'intelligence. Mais statistiquement, si on se fonde sur des études sur des grandes cohortes de personnes, on s'aperçoit que c'est soit le statut social qui crée l'attirance et donc la potentialité de reproduction, soit la force physique encore. Par exemple, on a encore des corrélations qu'on fait émerger, des études de cohortes, qui montrent qu'il y a une corrélation entre la taille d'un homme et le nombre de ses enfants aujourd'hui. Ah oui. Et plus on est grand, en moyenne, c'est encore une statistique, ça ne veut rien dire sur les cas particuliers, mais en moyenne, plus on est grand, plus on a d'enfants, parce qu'il reste un fond d'attirance pour celui qui est dominant physiquement. Parce qu'autrefois, c'était vraiment une garantie de survie à la fois pour la compagne et pour la descendance. Parce qu'évidemment, faire survivre les enfants, ça suppose quand même une protection. Et en ces temps-là, avoir une force physique, ça comptait. Donc on voit qu'il y a encore quand même une ce qu'on appelle une valeur adaptative de soit du pouvoir, soit de la taille ou de la force brute. Mais évidemment,
le jeu se complexifie, hein, plus on est dans des sociétés qui font la part belle aux capacités cognitives, plus ces règles peuvent être modulées, on va dire. Mmh. Oui, et donc le problème de ce striatum, c'est que suite à son shoot de dopamine, il revient à la normale et il a toujours besoin de stimuli. Et oui. C'est ça, là, je crois, la grande problématique de cet organe, c'est que une fois qu'il a satisfait son besoin, il lui en faut un autre et encore un autre, et c'est illimité. Oui, alors ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. C'est ça. C'est-à-dire l'émoussement du plaisir. Et ça, c'est des expériences qui le montrent, c'est-à-dire que si vous avez un jour une récompense, une gratification, quelle qu'elle soit, mettons une augmentation de salaire. Là, ce qu'on va voir, c'est libération de dopamine dans le striatum. On est super content, on a une augmentation, on a envie de faire des bons et tout. Et si on remesure l'activité des mêmes cellules nerveuses du striatum quelques mois après ou un an après, ça ne fait plus rien. C'est-à-dire que le striatum, il s'est habitué à ce nouveau statut, à ce nouveau niveau de vie. Et le seul moyen de le forcer à reproduire de la dopamine, c'est une autre augmentation. On le voit avec le renouvellement des gammes de téléphone aussi, ou des gens qui s'achètent une nouvelle voiture, qui au départ ont plein de dopamine, et puis au bout de quelques mois, ils regardent déjà la publicité pour le nouveau modèle ou dans la vitrine. On le voit aussi dans les rapports sexuels, souvent des personnes qui sont en recherche de nouveautés sans arrêt parce qu'ils se lassent de leur partenaire. Ce système fonctionne comme ça, il fonctionne par la lassitude. Et alors, pourquoi il fonctionne comme ça? Et bien, on comprend tout de suite que un striatum qui se lasse de ce qu'il a, il va chercher toujours plus. Et dans les conditions de vie des êtres humains pendant des millions d'années, celui qui explorait toujours plus loin augmentait ses chances de trouver de nouvelles ressources, de nouveaux territoires, de nouveaux gibiers, de nouvelles potentialités de reproduction avec d'autres individus. Et c'est ça qui a fait l'essaimage des gènes aussi. L'être humain, dans sa structure neurologique, est fondamentalement insatisfait. Dès qu'il a un premier plaisir, il en veut un autre. Et c'est ça qui a fait de nous une espèce à la fois conquérante et très invasive. C'est-à-dire que si on lit, par exemple, l'histoire des migrations d'Homo sapiens à partir de moins de 100 000 ans avant notre époque, on voit qu'il y a comme une tache d'huile qui se répand à la surface de la planète. C'est-à-dire que nos ancêtres ont toujours voulu repousser la limite. Et ça se traduit d'ailleurs par des extinctions d'espèces déjà dès cette époque. Hein. C'est bien décrit dans Sapiens de Yuval Noah Harari. Il écrit comment on voit des charniers entiers d'espèces qui sont exterminées parce que l'homme se multiplie, il recherche à avoir toujours plus. Il y a des forêts entières qui sont rasées au néolithique. Enfin, on est comme un virus qui s'étend à cause de ce besoin d'avoir toujours plus parce qu'on se lasse de ce qu'on a. Et ça, c'est inscrit vraiment dans notre structure nerveuse depuis très longtemps. Et ça a été la clé de notre succès en tant qu'espèce. Mais aujourd'hui, si on réfléchit, être sans arrêt attiré par la croissance dans un monde qui a des ressources limitées, il y a un moment, ça coince. Et oui, évidemment, on ne pouvait pas prévoir il y a 300 000 ans, mais maintenant, on se retrouve avec ça. Et oui, vous nous dites dans votre livre que, par exemple, on utilise 1 milliard de litres de kérosène par jour pour l'aviation. 1 milliard. Ouais, et à l'après-Covid, par exemple, comme plus personne ne bougeait, ça a repris d'une façon exponentielle, ce besoin de voyage, d'aller loin pour nourrir le striatum. Il y avait même, pendant la pandémie, des compagnies qui organisaient des vols sans destination pour satisfaire le besoin de dopamine de leurs clients. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était notamment à Sydney, je crois qu'il y avait eu on faisait rentrer les gens dans l'avion, décollait, il faisait un tour dans le ciel, il se reposait, c'est-à-dire qu'il n'allait nulle part. Et en Chine, il y avait même des aéroports où les gens payaient pour faire la queue pour l'embarquement, l'enregistrement, simplement pour vivre la sensation. Ils montaient dans l'avion et ils redescendaient de l'avion sans que l'avion quitte la piste. Donc, même pendant le Covid, il y avait ça. Mais c'est vrai que si on regarde effectivement les stratégies de développement du secteur aérien, construction d'aéroports, développement du parc d'aviation, c'est impensable sans la croissance. C'est-à-dire que les projections actuellement du secteur mondial table sur un triplement d'ici 2040. C'est terrible. Alors qu'on est en train de réfléchir à des stratégies de modération des émissions de gaz à effet de serre, qu'il y a des COP et tout. Mais non, il n'y a rien à faire. Ce qui est aux commandes, c'est quand même ce petit bout
de cerveau qui, lui, il veut de la dopamine et puis il en veut toujours plus. Donc, ça, la première chose à faire, c'est de voir ça, de prendre connaissance de ces mécanismes-là et de se demander finalement si on... Moi, quand j'ai ces conversations, parfois, en soirée ou dans des conférences, il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais en fait, c'est quand même la liberté individuelle de voyager, de découvrir des nouveaux horizons. On ne peut pas réglementer ça. Ça fait partie de la liberté individuelle de l'être humain. » Alors, c'est une vraie question. Mais moi, quand je vois comment tout ça fonctionne dans notre tête, je ne sais pas si c'est une liberté que d'obéir en fait à cette mécanique très basique qui nous pousse de l'intérieur à augmenter notre niveau d'exploitation et de consommation si on avait un petit diablotin qui nous met une carotte devant le nez. Donc, on a l'impression parfois d'être libre, mais est-ce qu'on l'est vraiment par rapport à nos mécanismes internes ? Alors, vous dites bien sûr que les gorilles, les chimpanzés, etc., ont ce striatum qui les pousse. On voit qu'il y a une hiérarchie chez les chimpanzés et les gorilles, mais le seul singe qui fait l'amour, pas la guerre, on va dire, le bonobo, lui, il a aussi un striatum. Il n'arrête pas de forniquer, mais il ne fait pas la guerre. Comment vous expliquez ça ? Il trouve sa dopamine. Oui, mais les autres aussi. Et pourquoi il ne fait pas la guerre ? Il ne veut pas être le chef, etc. C'est ça, moi, j'ai trouvé ça interpellant. Il y a des différences d'agressivité, de toute façon, d'une espèce à l'autre. Ces espèces coexistent, mais... Si vous imaginiez qu'en fait, vous laissez passer, je ne sais pas, 200 ou 300 000 ans de plus, qu'est-ce qui se passerait ? On ne sait pas, mais on sait, par exemple, qu'il y a encore, faudrait voir les dates exactes, en tout cas, il y a 100 000 ans, il y avait plusieurs espèces humaines sur Terre. Il y a eu notamment l'homme de Néandertal, il y a eu l'homme de Flores. Donc, la situation était un petit peu comme celle que vous décrivez avec les espèces de chimpanzés, où il y a plusieurs espèces cousines qui coexistent, d'accord ? Il semblerait que Homo sapiens soit le chimpanzé de l'histoire, c'est-à-dire que c'était le plus agressif de tous, et surtout le plus conquérant et le plus invasif. Et ce qu'on voit a posteriori, à l'arrivée des courses, c'est que les autres espèces, l'homme de Flores, l'homme de Néandertal, ont disparu. Pas simplement, ils se sont fait manger leur territoire, et puis ils ont été confrontés à une espèce beaucoup plus agressive que les autres. Donc peut-être que si on pouvait faire une expérience de projection dans le futur, on verrait que dans 300 000 ans, il n'y a plus que les chimpanzés, parce qu'ils ont exterminé les bonobos. Ou qui sont simplement reniés sur leur territoire. Mais on ne pourra pas, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir cette compétition entre des espèces de chimpanzés, vu que c'est l'homme qui écrase tout au niveau des biotopes. Oui. Alors, bon, donc, qu'est-ce qu'il y a comme manière de prendre le pouvoir ? Parce que finalement, tout ça, le pouvoir aussi alimente notre striatum. Donc, il y a le sexe, la force physique, l'argent, l'information. Donc l'argent est devenu un petit peu la quête de notre striatum qu'on en ait ou qu'on en ait plus tard devient un stimuli, non ? Oui, alors l'argent effectivement est totalement associé au pouvoir, il donne le pouvoir et il concentre en fait toute la puissance des grandes sources de dopamine qu'on vient d'évoquer. Il concentre l'attrait de la nourriture, du sexe, du statut social, de l'information, parce qu'il permet d'accéder à tout ça. Et donc, c'est le premier pourvoyeur de dopamine. Quand aujourd'hui, on fait des expériences en laboratoire, quand on regarde comment réagit notre striatum quand on nous donne de l'argent, c'est là qu'il libère le plus de dopamine. Il sait très bien qu'il va pouvoir se payer tout ce dont nos ancêtres ont rêvé en des temps anciens grâce à cette monnaie d'échange. Et l'argent a été évidemment soumis au même phénomène qu'on a évoqué là d'habituation hédonique, c'est-à-dire que l'argent qu'on a à une date T produit de la dopamine, il n'en produit plus à une date T plus 1, donc il va falloir avoir plus d'argent pour continuer à ressentir ce frisson lié au pouvoir et à la richesse. Et moi, je trouve qu'il y a une philosophie derrière, c'est que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est le toujours plus d'argent. Ben oui, où est-ce que ça nous emmène ? Ça nous emmène à l'incapacité du bonheur. C'est-à-dire que quand vous avez un bonheur qui dépend du fait d'avoir toujours plus, vous savez qu'une fois que vous aurez ce que vous espériez, le plaisir ne va pas durer et il faudra courir toujours après autre chose. C'est l'histoire des milliardaires qui ont tout et qui veulent encore plus. Et vous vous souvenez de ce milliardaire, la Gatsby, on lui avait kidnappé son fils. Il était milliardaire, président de l'OPEP, le truc... On lui demandait 20 millions de dollars, il ne voulait pas payer.
il a fallu qu'on coupe un doigt à son fils, que sa femme aille alerter les médias pour qu'il finisse par obtempérer. Ouais, c'est ouais. Dingue, c'est dingue. C'est que le circuit de la dopamine a pris le pas sur d'autres aptitudes de notre cerveau, comme l'empathie, comme l'attachement. Ce que montre cette histoire, ça illustre bien tous les mécanismes dont on parle, c'est que effectivement, pour notre système de plaisir pur de dopamine, le seul fait de conserver le même niveau de stimulation, que ce soit la même somme d'argent ou le même, déjà c'est pas agréable. Mais alors si vous êtes obligé de baisser un peu, c'est on coupe les vagues de dopamine et c'est exactement ce qui est observé dans le cerveau des toxicomanes, par exemple des cocaïnomanes. La cocaïne agit directement sur la libération de dopamine. Quand vous avez plus votre cocaïne, la dopamine est coupée et c'est une sensation de manque. Donc c'est une vraie souffrance, c'est insupportable. Et quand on est vraiment accro à l'argent à ce niveau-là, ben le fait d'imaginer que vos actions baissent, c'est une sacrée épreuve. Et si vous n'avez pas d'autres systèmes cérébraux liés à votre humanité, à votre attachement, au sens de ce que vous faites, vous êtes livré à ce circuit-là et c'est vraiment une addiction. C'est-à-dire que votre vie devient réduite à une seule dimension. Donc, voyant tous ces constats où nous ne sommes plus des gorilles, si on était resté des gorilles, vous nous dites que la planète ne serait pas en si mauvais état. Oui. Hein, on est d'accord. Et ça, c'est un point important que vous soulevez. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un gorille ou un chimpanzé a à peu près le même striatum que nous. Mais pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas la planète? Parce qu'il n'a pas une autre partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex. Le cortex de l'être humain, c'est la partie extérieure qui s'est développée dans les dernières étapes de l'évolution d'Homo sapiens et qui lui a conféré l'intelligence. Et que fait l'intelligence? Elle permet d'inventer d'abord des outils simples, puis en plus des outils de plus en plus perfectionnés, et donc de développer une industrie pour produire plus à manger, pour exploiter davantage les sols, pour exploiter la puissance des hydrocarbures, des énergies fossiles, pour faire fonctionner des moteurs, pour développer toujours plus de force de productivité. Et c'est cette intelligence qui, étant mise au service des instincts de notre striatum, font qu'on va produire toujours plus, exploiter toujours plus, détruire toujours plus. Donc le striatum tout seul ne peut pas détruire une planète. C'est pour ça qu'un chimpanzé ne va pas détruire sa planète. Mais le striatum, avec le pouvoir de l'intelligence du cortex de l'humain, là, il a un outil énorme. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'enfant surarmé. C'est-à-dire qu'un enfant, il a des désirs bruts, il ne sait pas les réguler. Heureusement qu'il n'est pas aux commandes du monde parce que ce serait une catastrophe. Mais notre striatum, c'est un enfant et le problème, c'est qu'il a comme un gros bazooka entre les mains qui est le cortex cérébral qui nous donne l'intelligence pour produire tout ce qu'on veut, pour fabriquer des écrans à plasma, des SUV gigantesques et se donner un peu de dopamine à grands frais. Alors, j'ai Gatsby qui dit « Comment créer eudémanisme dans le cerveau humain en opposition à l'habituation hédonique ?» L'habituation hédonique étant justement ce fait où, ben, une fois qu'on est satisfait, ben, ça redescend, donc il faut retrouver un autre stimuli, quoi, en gros. Ouais. Ben, c'était les deux conceptions du bonheur chez les Grecs. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, et l'eudémonisme, c'est la recherche de l'harmonie, en fait, de ce qui fait sens, de l'harmonie entre l'homme et le monde, entre les désirs de l'homme et sa raison. Enfin, tout doit être dans une espèce d'équilibre qui fait sens. C'est vraiment une question à moi qui m'a préoccupé après avoir écrit Le Bug Humain, après avoir constaté la puissance de l'hédonisme, de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que si on fonctionne juste comme ça, je veux dire... Quel est le bilan final? C'est-à-dire que le résultat du passage de l'être humain sur Terre, ce sera une catastrophe, c'est-à-dire une destruction totale, une biodiversité réduite à néant, des guerres sans fin parce que plus assez de rendement agricole, parce que montée du niveau des océans. Donc, on va vers un résultat catastrophique. Donc, quel est le sens de tout ça? Et là, je me dis, il y a vraiment une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui justifie nos actions? Et est-ce qu'on agit juste pour avoir un peu plus de confort ou de plaisir? Ou pour que tout ça rime à quelque chose. Et là, on tombe sur le démonisme. Et pour répondre à Caspi, c'est ça qui nous écrit. Oui. Il y a une partie de notre cerveau qui n'est pas du tout la même que le striatum, qui est située un peu au-dessus du striatum et qui est localisée entre les deux hémisphères du cerveau et qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, que vous connaissez, et qui, lui, cherche du sens. Il a aussi évolué pendant des millions d'années
en même temps que notre espèce, dans le but de se demander, mais finalement, quel va être le résultat à long terme de mes actions? Est-ce que mes actions sont justifiables vis-à-vis de mes semblables, vis-à-vis de mes convictions, vis-à-vis peut-être de règles éthiques générales? Et c'est très intéressant de voir que notre cerveau a développé aussi cette capacité-là, ce repli de notre écorce cérébrale, parce que le fait que ce centre nerveux existe, ce détecteur de sens, ça pose la question forcément que le sens a dû avoir aussi un rôle vital la survie de notre espèce. Et là, ça nous mène vers une grande réflexion aussi, qui montre que le sens est vital parce qu'il permet aux êtres humains de regarder dans une même direction, de s'interroger sur leur destin commun, et de ne pas penser uniquement dans l'instant, parce que le sens, forcément, a une dimension temporelle, il se projette dans la continuité. Et donc, ça permet de sortir de la recherche du plaisir, qui est toujours instantané, pour se projeter dans les conséquences de nos actes. Et on a cette partie de notre cerveau, elle est un peu endormie, mais elle joue un rôle important, surtout quand on se retrouve dans des situations absurdes, ce dont les gens ont parfois conscience, par exemple les gens qui font de l'éco-anxiété, ce sont des gens qui ont conscience que ce qu'on fait n'a pas de sens et que ça va nous emmener dans un futur catastrophique. Et donc, ils utilisent cette partie de leur cerveau pour détecter le non-sens. Malheureusement, ça rétroagit de façon très difficile sur leur affect, puisque ça leur envoie des molécules du stress, le cortisol, la noradrénaline, qui sont libérées par ce détecteur du sens quand ils ne trouvent plus de sens dans notre existence. Mais ça montre qu'il y a vraiment un besoin de trouver une justification à ce qu'on fait et de pas seulement être dans le plaisir. Et je pense que de plus en plus de gens ressentent un petit peu ce tiraillement, cette dissonance cognitive et franchissent le pas pour cette raison. Moi, c'est ça qui m'est arrivé dans la boutique de téléphonie là, de la boîte de capital risque où j'avais été embauché. C'était une crise du sens. J'ai réfléchi après. C'était de me dire, oui, on me promet beaucoup de plaisir instantané, mais ce n'est pas en phase avec la vision que je me fais de mon existence, avec mes valeurs, avec ma projection dans ma vie future. Et là, j'ai senti le déferlement des hormones du stress, mais de façon physique. Hein, donc, la crise de panique, c'est vraiment ça. Donc, ça montre que c'est vraiment extrêmement important, que ça pourrait être un moyen de faire pencher la balance de l'autre côté, pour répondre à la question. Oui, d'ailleurs, saint Augustin nous dit, je ne sais pas si c'est accessible, mais le bonheur... c'est de désirer ce qu'on a déjà, quoi, en gros. C'est de continuer. De continuer à désirer ce qu'on a déjà. Waouh. Pas évident, dans notre monde. Hein. Et ça, c'est le contraire exact du fonctionnement de notre atome. Lui, il ne désire toujours plus que ce qu'il a. Dès qu'il a quelque chose, il s'en lasse. Saint-Augustin met le doigt sur quelque chose de critique. C'est-à-dire, comment ruser avec notre striatum? Parce que, quand même, il parle de désir. Et le désir... pour un neuroscientifique, c'est quand même la dopamine. Donc, là, on n'est même pas encore dans le démonisme, on est dans la question, comment est-ce que je peux éduquer mon striatum pour qu'il continue à me donner de la dopamine et du désir sans que je sois obligé de chercher toujours plus. Et là, on va tomber sur des stratégies, on pourra en reparler, pour entretenir le frisson, le désir, la dopamine, par des astuces, sans forcément s'acheter sans arrêt un truc 10 fois mieux que le mois précédent. Vous vous souvenez, Sacha Guitry, qui disait, moi, le meilleur moment, ce que je préfère, c'est quand je monte l'escalier pour aller voir la dame. Donc, c'était le meilleur moment. C'est cette projection de cette satisfaction future, cette représentation, quelque part. Oui. Comme Schopenhauer le dit, le monde comme volonté, comme représentation. Et c'est vrai, ça. Et ça, c'est encore une histoire de dopamine. Hein. C'est vrai qu'on s'aperçoit, par exemple, prenons l'exemple dont vous parlez, le moment où on monte l'escalier. Au départ, quand on a un rapport amoureux, on a une libération de dopamine qui est liée au plaisir. Mais la fois suivante, notre striatum commence à libérer des petites gouttes de dopamine à l'avance, parce qu'il sait ce qui va se passer. Et il a remarqué des indices, par exemple, il revient dans la même maison, il voit l'escalier, et là, il sait ce qui va arriver, donc il commence à libérer de la dopamine. Et donc, il le libère par anticipation, c'est ce qui crée l'excitation. Par contre, au moment où le plaisir attendu arrive vraiment, là, à la limite, il y a moins de libération de dopamine, parce qu'elle a déjà été libérée avant. C'est ça. Et donc, à la fois, il y a le frisson de l'anticipation, mais il y a aussi le début de la lassitude.
Voilà. Et vous en parlez de l'acte très bien. Lui-même. Voilà. Okay. Vous, je me souviens, il y a eu des analyses avec des rats, que vous le dites bien dans votre livre, où alors on donne une nouvelle rate au rat, alors il y va, il est content, machin. Oui. Et puis, au bout d'un moment, bah, il se repose de plus en plus. Ah, on lui donne une nouvelle, il y retourne. Et c'est un peu l'effet Coolidge. L'effet Coolidge, oui. Allez-y, parlez-nous de l'effet Coolidge, c'est quand même génial. Coolidge, c'était un président des États-Unis dans les années 20 ou les années 30, je ne sais plus. C'est de là que part toute l'histoire. C'est qu'il y a une anecdote, il était en campagne, il allait visiter un élevage de poulets avec sa femme. Et donc, il visite l'élevage, il y a des milliers de poulets. Et puis, la femme remarque qu'il y a un seul poulet. Et elle demande, mais c'est ce poulet qui assure le rendement de l'élevage ? Le fermier dit, bah oui, oui. Il s'active en permanence, il se fatigue pas et il a de l'énergie. Hein. Et donc, elle dit à l'éleveur, bah, vous devriez dire ça à mon mari. Bah, sous-entendu, bah, il pourrait s'activer un peu plus. Et là, le président demande à l'éleveur, oui, mais est-ce qu'il s'active toujours avec la même poule? L'éleveur dit, bah, non, il faut changer la poule à chaque fois. Et donc là, le président dit, bah, vous devriez dire ça à ma femme. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont Coolidge. Hein, ouais, ouais. Donc, après, ça a été appelé l'effet Coolidge parce qu'on a remarqué qu'effectivement, dans beaucoup d'espèces animales, et ça a été étudié ensuite chez l'être humain, mais au départ, beaucoup chez les animaux d'élevage à cause de l'enjeu reproductif. Dans beaucoup d'espèces animales, effectivement, quand on met un mâle et une femelle en présence, le mâle, au début, est très enthousiaste. Et puis au bout de quelques minutes, il se lasse, il va dans le fond de sa cage et puis il n'est plus trop intéressé par une relation, il est fatigué, quoi. Par contre, si on met une nouvelle femelle à la place, ben là, il se réactive. Et à chaque fois qu'on en met une nouvelle, il se réactive. Et donc là, c'est l'effet de nouveauté qui permet de libérer encore et toujours de la dopamine. Et on voit très bien quelle est la raison en fait de ce mécanisme. C'est qu'à l'échelle de l'évolution des espèces, ça permet à un individu de maximiser sa descendance. Mmh. Et donc, dans un contexte de sélection naturelle où c'est celui qui fait la plus grande descendance qui finalement impose sa lignée génétique, ben ce sont ces individus-là qui ont été sélectionnés. De sorte que tous leurs descendants sont aussi porteurs de ce désir de renouvellement dans la sexualité. Donc, alors, connaissant ça, il y a la religion qui a un petit peu tablé les principes, les commandements avec « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne tueras pas », etc., etc. La religion a été petit peu un anti-striatum. Ça m'a frappé. Effectivement, c'est vraiment très important à remarquer. C'est que si vous prenez les cinq grands désirs du striatum, en gros, c'est manger, se reproduire, avoir du statut, de l'importance, du prestige, faire le moins d'efforts possible, ça on n'en a pas parlé aussi, c'est très libérateur. Ah ouais, le moins d'efforts, oui. Ouais. Et chercher des informations partout. Et ça regroupe en grande partie les sept péchés capitaux. Bon, là, il n'y en a que cinq. Évidemment, manger, bah, ça, c'est la gourmandise. La gourmandise. La reproduction, le sexe, bah, la luxure. Le statut social, l'importance, c'est l'orgueil. Prenez le moindre effort, c'est la paresse. Et le désir d'information, c'est la curiosité. Donc, c'est vraiment étonnant. Et ouais. Du coup, ce qui est drôle, c'est de voir que les religions, souvent, ont repéré les sales petits défauts du petit striatum, alors qu'on ne connaissait rien en neurosciences. Ouais. Ouais. Et on dit, bah, maintenant, ça suffit, on va le calmer un petit peu. Et pourquoi ? C'est la grande question. Pourquoi les religions ont cherché à mettre le striatum dans sa cage ? Et là, on tombe sur la question de l'importance de la maîtrise des pulsions, en fait. Et on tombe aussi sur la question pourquoi aujourd'hui notre société refuse de maîtriser les pulsions et on a plutôt fait un moteur de croissance et un ressort de l'économie. C'est-à-dire qu'à partir de la moitié du XXe siècle, on va encourager la recherche du plaisir, c'est jouir sans entrave, et la libération de ces pulsions pour individualiser son confort, son plaisir, avoir accès à toutes sortes de commodités qu'on n'avait pas avant, de voyager, l'électroménager, soulager ses efforts, la libération sexuelle, les fast-foods. Évidemment, bah, on voit que ça permet de brasser plus d'argent, de faire croître les conditions matérielles, le confort des individus, ce qui a évidemment de bon côté, on ne va pas non plus se plaindre. Oui. Mais qu'on n'a pas réfléchi qu'en fait, on notait une sorte de système de régulation.
et que ce système de régulation, il a été présent en fait dans la plupart des sociétés humaines qui ont cherché à modérer, voire à contrôler, voire parfois à brider complètement les pulsions du striatum. Et effectivement, c'est passé souvent par des commandements, des interdits. Moi, mon directeur de thèse, ça m'avait frappé quand j'étais jeune thésard, m'avait dit cette phrase qui m'est toujours restée et qui est très vérifiée, c'est qu'en fait, l'être humain, par rapport à d'autres animaux, il vit dans de grandes sociétés qui sont très codifiées et que concrètement, les individus passent leur temps à se retenir de faire certaines choses. Et qu'on obéit à des règles qui nous interdisent un certain nombre de choses. Alors on dit on veut pas d'interdits, mais en fait on fonctionne socialement parce qu'on respecte les interdits. Vous pouvez regarder toute la journée, vous respectez le code de la route, vous respectez la loi, vous n'agressez pas les gens, vous volez pas à l'étal. Enfin, et ça c'est une capacité qui nous est donnée par une partie de notre cerveau très importante, hein, qui est le grand héros en fait du dernier livre. Striatum, ça commence par le striatum pour montrer le méchant dans l'histoire, mais ça se termine par cette partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, c'est-à-dire qui est situé tout à l'avant du front, qui est l'ultime étape de l'évolution de l'humanité, qui développe cette partie, la frontale, qui lui permet de ne pas toujours obéir en fait à son striatum et d'introduire un délai de réflexion, de réfléchir aux conséquences de ses actes et le cas échéant, de s'imposer des sacrifices importants. Et c'est important de voir que dans beaucoup de sociétés, les sociétés qui ont tenu dans des situations difficiles sont des sociétés qui ont su faire respecter souvent des sacrifices importants. Le sacrifice sous de la communauté permet aussi aux individus de montrer qu'ils sont capables de s'investir dans la vie de groupe, de ne pas penser seulement à eux, de mettre entre parenthèses leurs désirs individuels pour le groupe. Et cette partie du cerveau, quand on voit la taille qu'elle a dans l'espèce humaine, on ne peut que constater qu'elle a eu un rôle essentiel. Mais oui. Voilà, c'est lui, c'est le cortex préfrontal dont on va peut-être parler. Mais oui, oui, là, il faut en parler parce que c'est la clé d'éviter que quelqu'un appuie sur le bouton rouge pour nous faire exploser, par exemple. Nos hommes d'État devraient développer ce cortex préfrontal, on est d'accord? Et donc, vous donnez quelques exemples, pareil, bon, je vais en parler au niveau de l'alimentation, parce que ça, c'est quelque chose à laquelle on est confronté tous les jours, instant après instant. Est-ce que je mange la tablette de chocolat ou pas? Et donc, pas tout le monde, hein, bien sûr. Et donc, vous avez ce système go-no-go. Vous pouvez en parler? Alors, le système go-no-go, c'est un système expérimental, en fait, pour tester la capacité des individus à résister à leurs envies du moment. C'est ça. Donc, on les entraîne, par exemple, à appuyer sur un bouton, par exemple, la lettre A sur le clavier d'ordinateur, dès qu'ils voient apparaître un triangle sur l'écran. Et donc, par contre, s'ils voient apparaître un rond, il faut qu'ils appuient sur la touche... il faut qu'ils se retiennent d'appuyer sur la touche A. Donc, ils voient des triangles, ils appuient sur la touche A. Et puis, ils prennent l'habitude, comme ça, appuyer régulièrement sur la touche A quand ils voient un triangle. Et d'un seul coup, il y a un rond qui apparaît, et on voit que chez beaucoup d'individus, l'habitude a été prise de faire le geste. Donc, ils ont du mal à se retenir. Il y en a beaucoup qui font le geste quand même par habitude. Mais certains arrivent à retenir leur geste. Et là, on voit s'allumer la partie du cerveau dont on parlait, le cortex préfrontal, qui bloque l'impulsion du striatum, qui dit non, là, il faut pas, il faut se retenir. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les triangles par des tablettes de chocolat. On leur dit, les ronds par des tablettes de chocolat. À chaque fois que vous allez voir apparaître une tablette de chocolat, vous devez vous retenir d'appuyer sur la touche. Et donc, ils font l'exercice de se retenir d'appuyer sur la touche à chaque fois qu'ils voient une tablette de chocolat. Et après, on les laisse retourner à leur vie quotidienne et on s'aperçoit qu'ils mangent moins de chocolat. Parce qu'à chaque fois qu'ils pensent à du chocolat, ils pensent à se retenir et non pas à se jeter sur la tablette. Donc, de cette façon, on peut entraîner, en fait, le frein du cerveau, le cortex préfrontal, à bloquer les comportements compulsifs, d'habitude ou de désir un peu automatique, avec des résultats bien réels d'ailleurs sur les comportements de suralimentation. Donc voilà, on a cette ressource en nous. On pourrait imaginer de faire aussi des applis de rééducation, pas avec des tablettes de chocolat, mais avec des grosses voitures, avec des nouveaux téléphones. À chaque fois qu'on voit ces images, au lieu de se précipiter dessus pour y aller dans une vente flash, et on dit, eh ben non, je dois me retenir. Oui. Donc ça montre quand même la plasticité de notre cerveau, le fait que le striatum n'est pas tout seul, qu'il y a une énorme capacité d'autorégulation, mais que quelque part, elle est un peu en sommeil. On ne l'utilise pas beaucoup. Parce qu'un enfant, son préfrontal est peu développé.
Et ça, ça met des années à se développer, oui. Non? C'est la dernière région du cerveau à arriver à maturité. Il y a des études d'imagerie cérébrale qui montrent que, en gros, jusqu'à même 20-21 ans, c'est pas encore mature. Ça a beaucoup d'ailleurs fait infléchir la décision de la Cour suprême des États-Unis il y a une vingtaine d'années pour faire interdire la peine de mort pour les mineurs. C'est-à-dire qu'il y a des neuroscientifiques qui sont arrivés qui ont dit de regarder le cerveau d'un gamin de 18 ans ou 17-18 ans, il n'est pas fini, son cortex préfrontal n'est pas mature. Donc quand il a une impulsion, quand il est en colère, quand il a envie d'en venir aux mains par exemple, bah, son cortex préfrontal n'a pas encore vraiment la capacité de bloquer son striatum, il n'a pas encore conséquence de ses actes, on le voit, il n'y a pas encore les fibres nerveuses qui lui permettent de faire ça, et donc on ne peut pas lui imputer la même responsabilité de ses impulsions qu'à un cerveau déjà fini. Mais ce que cette étude omettait de dire, c'est que chez beaucoup d'adultes, à mon avis, le cortex frontal n'est pas fini. C'est clair. Voilà. Mais vous avez vu notre société, comment elle encourage à l'adolescence la malbouffe, la surexposition à l'informatique avec tous leurs jeux vidéo, ne plus marcher en faisant de la trottinette, etc. Ils ne peuvent pas développer leur cortex préfrontal, ce qui fait que quand ils arrivent dans une société où ils vont travailler, déjà ça va les frustrer parce qu'il va falloir qu'ils fassent des efforts, ils n'auront plus de vacances comme avant. Là, je pense que le rôle de l'éducation et puis même de nos présidents devrait être très, très entraînés à eux-mêmes maîtriser ce cortex préfrontal pour pouvoir diriger les êtres humains que nous sommes, non? Et comment? Là, le problème est double. C'est-à-dire que quand on est dans une société qui nous donne plein de petits plaisirs instantanés, ça renforce vraiment le striatum, le comportement automatique que je décrivais tout à l'heure. On prend l'habitude d'appuyer sur la même touche parce que ça nous donne de la dopamine. Et donc, il faudrait commencer par éviter de formater les cerveaux dans ce sens-là. Et après, c'est vrai qu'il faudrait remettre en action le cortex préfrontal en réhabituant les individus à prendre conscience des moments où ils ont des impulsions de recherche de plaisir facile et instantané. Déjà, il faut se rendre compte pour ensuite décider de bloquer l'action en cours. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, après avoir découvert ces mécanismes neurobiologiques, me disent qu'ils s'observent en situation. Par exemple, avant, quand il y avait le Black Friday, par exemple, ils entendaient ça aux informations, bah, c'est quasiment un réflexe conditionné. C'est les circuits du striatum, c'est comme le chien de Pavlov. J'entends vente flash, je prends ma carte bleue, je me lève, je vais avoir de la dopamine. La réflexion n'intervient pas. Et qu'ils me disent, maintenant que je sais que ça marche, je me dis, ah oui, mais je suis en train de me comporter comme ça, comme un automate, à cause de mon striatum. Donc, je prends conscience du processus, j'ai un temps de recul et j'enclenche mes mécanismes de régulation et mon cortex préfrontal qui permet de me dire stop. Cela dit, il a quand même besoin d'être éduqué. Oui. Et il y a 1000 exercices qui sont possibles pour ça. Par exemple, chez les enfants, le premier qu'on peut utiliser, c'est le jeu ni oui ni non. Dans le jeu ni oui ni non, en fait, il s'agit de s'empêcher de donner des réponses par oui par non qui sont tellement habituelles qu'elles sont ancrées dans le circuit profond du cerveau. Et donc, pour s'empêcher de le faire, il faut faire intervenir la volonté, la prise de conscience et les capacités de freinage du cortex préfrontal. Et quand on joue avec ces enfants en ni oui ni non, on développe leur cortex préfrontal. Après, il faut pouvoir leur développer quand on leur dit bah, « Maintenant, tu éteins ton téléphone le soir à 21h, tu arrêtes de te connecter 3 heures par jour, tu laisses ta PlayStation, tu fais tes devoirs d'abord, tu ranges ta chambre. » Ça, à chaque fois, ça fait développer le cortex préfrontal. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait ça, on ne crée pas du tout des enfants malheureux, mais les études qui ont été menées, qui les ont suivis sur 20 ou 30 ans, montrent qu'ils sont plus épanouis dans leur vie ensuite d'adultes, au niveau professionnel, au niveau même dans leur couple, dans leur vie de famille, tout simplement parce que quand leurs désirs instantanés sont bloqués par une contrariété, par quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux, eh ben, ils sont capables de le supporter parce qu'ils ont été entraînés finalement à mettre entre parenthèses parfois leurs petits désirs de plaisir instantané. Donc c'est un service qu'on leur rend aussi. Et évidemment, bah, tout ça n'est pas facilité par une société où on habitue les gens à voir tout de plus en plus vite et de plus en plus facilement, les services de livraison à domicile dans la journée, les petites vidéos où on a de la dopamine en appuyant sur un bouton, on n'a plus besoin de se concentrer pour ouvrir un livre, parce que là, il faut maintenir l'attention parfois pendant 10 ou 20 minutes avant d'avoir une gratification. À l'école, par exemple, quand vous devez acquérir un savoir qui est transmis par un enseignant qui parle devant un tableau, eh ben, on sait que la dopamine, elle arrive, mais seulement au bout de 10-20 minutes. Ah. Donc, oui, et la curiosité intellectuelle permet au bout d'un moment d'avoir une satisfaction.
par la pure par le jeu sur les concepts, l'apprentissage. Faut pas oublier que c'est fait aussi pour l'apprentissage. Mais si à côté de ça, vous avez moyen d'avoir de la dopamine en une seconde en regardant une vidéo ou un influenceur sur votre téléphone, c'est perdu d'avance. Donc la bataille, elle va se jouer à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire qu'il faut un moment, il faut, désolé d'employer ce mot-là, dire non, il y a des choses, ça ne se fait pas dans certaines circonstances pour éviter la tentation et pour être capable de muscler son cortex préfrontal. Et donc la dernière question que vous posiez sur la volonté politique de tout ça, c'est de se dire quel dirigeant politique aujourd'hui va pouvoir mettre ça en place pour emmener un petit peu la société vers plus de conscience, plus d'autorégulation de l'individu, plus de liberté aussi de l'individu vis-à-vis de ses propres pulsions. Et là se pose la question, effectivement, de la connaissance de ces déterminismes biologiques dans le cerveau humain et de la connaissance aussi par nos dirigeants de leur propre cerveau. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que le pouvoir change le cerveau. Et que, vous rappelez ce qu'on disait sur le striatum qui veut du statut social, on voit que plus un individu acquiert du pouvoir, plus son striatum grossit. Plus il veut de la dopamine, il s'habitue à chaque fois au niveau de pouvoir qu'il a, donc il en veut toujours plus, et devient accro à ça. Donc le risque, c'est que sa motivation, bah, ce soit d'entrer dans ce jeu de dopamine, et non pas de vouloir en sortir. Eh oui, c'est ça. Donc je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, vous savez, dans le débat qu'il y a eu sur la transition écologique, il y a un ingénieur fondateur du Shift Project de Carbon 4, Jean-Marc Jancovici. Ouais, je connais bien, ouais. Qui a recommandé qu'en fait, les responsables politiques aient un programme de formation aux enjeux du climat, une formation scientifique minimale pour savoir de quoi il en retourne. Il avait proposé une vingtaine d'heures de formation. Il y a eu des sessions parlementaires où ils ont accepté peut-être une heure de formation. Je dis, c'est très bien, il faut pousser dans ce sens-là, mais il faudrait aussi qu'il y ait une formation sur comment fonctionne l'esprit humain. Parce que c'est bien de savoir comment fonctionne le climat, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, les climatologues qui sont interrogés en marge des COP disent « Mais nous, on a dit tout ce qu'on a à dire sur le réchauffement climatique. Maintenant, allez interroger les psychologues. » Parce que le problème est un problème de comportement. Et tant que nos dirigeants ne seront pas avertis du fonctionnement de notre cerveau, bah, je ne sais pas s'ils vont vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, et oui, parce qu'il y a les conflits d'intérêts qui se mettent là-dedans. L'industrie elle veut toujours plus, parce que la consommation, elle veut faire de nous des hyper-consommateurs. Finalement, toujours en système de striatum, et c'est sans fin parce que le monde est devenu un village. Sauf que les uns, nous, on a profité, on a eu les belles années, l'après-guerre, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aucun modèle qui est viable, et on arrive dans des guerres de partout en ce moment. Et quelles seraient les solutions? Parce que on aurait besoin d'être ensemble. On voit bien, il y a des films catastrophes qui montrent que s'il y a une météorite qui arrive sur la Terre, là, tout le monde va se relier pour œuvrer pour le mieux. Mais là, aujourd'hui, il y en a qui veulent plus, et c'est normal, puisque nous, on a eu plus qu'eux avant. Et comment voulez-vous arriver à réguler la planète? C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Mais je pense que c'est utile, justement, qu'il y a des solutions qui peuvent venir, justement, de là où on n'a pas encore cherché. Et aujourd'hui, c'est même pas moi qui disais, c'était le président Barack Obama quand il avait inauguré un grand centre de recherche en neurosciences aux États-Unis. Et il me dit une phrase qui était assez juste, c'est qu'il disait que la prochaine terra incognita, c'est plus le fond de l'univers, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre crâne. C'est-à-dire qu'on commence à peine à découvrir comment fonctionne notre psychisme, notre cerveau. Alors, la philosophie l'a fait pendant des millénaires, mais aujourd'hui, il y a un nouvel outil de connaissance du fonctionnement de l'esprit humain qui nous vient de l'imagerie cérébrale. On voit vraiment comment les connexions sont faites, comment elles fonctionnent. Et là, on a un nouvel enseignement qui est quand même assez intéressant à utiliser, c'est que cette capacité de chaque individu d'aller vers la sobriété, qui est quand même le grand enjeu, elle dépend d'un ingrédient absolument fondamental qui est la cohésion. C'est-à-dire que le cortex préfrontal, quand moi, par exemple, je veux faire des efforts pour diminuer mon empreinte carbone, c'est très difficile parce que je me dis peut-être que les autres ne le font pas. Et donc, si je suis seul dans mon coin avec mon cortex préfrontal, celui-ci, il est un petit peu désarmé, il a du mal à se mettre en route. Mais on voit très bien dans les expériences de psychologie sociale en laboratoire, dès qu'on met plusieurs personnes ensemble en leur disant que le résultat final dépend de l'effort que fait chacun pour s'auto-limiter, à ce moment-là, tout le monde y arrive beaucoup mieux.
le cortex préfrontal fonctionne comme ça. Il sait que son effort va avoir un impact sur le bien-être des autres, que l'effort des autres va avoir un impact sur son bien-être à lui, et ses capacités de résistance sont décuplées. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait une transparence, c'est-à-dire que la loi soit, enfin que la règle du jeu soit partagée à tous, et qu'il y ait le sentiment qu'il n'y en a pas qui se dérobe en fait, ou qui échappe en fait à l'effort collectif qui est demandé. Si on a l'impression qu'il y a des individus qui font pas l'effort, qu'il y a des passe-droits, qu'il y a des privilèges, il s'éteint, c'est fini, on n'est plus capable de faire l'effort. Donc l'enjeu de la transparence, de l'exemplarité, c'est vital pour aller vers une autorégulation de nos comportements collectifs. Donc ça se pose à l'échelle nationale. Poser la question, quel modèle de société transparente où l'effort est vraiment partagé, où chacun donne l'exemple, y compris au plus haut niveau. C'est une clé, c'est un ressort incroyable. On n'imagine pas ce qu'on pourrait faire avec ça. Et après, à l'échelle, effectivement, à l'échelle planétaire, vous pointiez un problème, c'est que, effectivement, si en tant que pays, il y en a qui se disent, nous, on fait des efforts, mais il y en a d'autres qui forent le sol pour extraire des hydrocarbures, pour nourrir une énergie de croissance basée sur les énergies fossiles, ça sape un petit peu les volontés de faire des efforts. Mais là, se pose la question de la gouvernance globale. Et la gouvernance globale, c'est quand même un projet qui a existé quand même tout au long des décennies. Il y a eu la SDN, il y a eu l'ONU. On voit bien que ça ne marche plus. Ah oui. Aujourd'hui, c'est en panne. Aujourd'hui, c'est en panne. Et donc là, c'est une priorité absolue. Et même si on ne parle pas du climat, parce qu'il y en a qui disent que le bilan carbone, c'est une escroquerie, peu importe, OK, il y a des réchauffements qui peuvent être naturels, mais la réalité, c'est qu'on empoisonne notre environnement. Notre terre s'est dévitalisée, notre air est irrespirable dans certaines villes. On nous a refoutu 10 ans de glyphosate, qu'on connaît le côté délétère dans notre organisme. On nous rebalance des sels nitrités en disant que c'est toxique, mais on en met quand même encore dans nos aliments. Donc tout ça fait que l'industrie, quand même, les lobbies sont d'une puissance, c'est des striatums puissants. Et comment contrecarrer ça? Alors, est-ce que ce sera l'objet des neurosciences existentielles? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'elles peuvent avoir une action là-dessus? Oui, je pense. Alors, les neurosciences existentielles, effectivement, c'est une branche des neurosciences qui est assez récente, qui est peut-être une quinzaine d'années, et qui s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau quand on se pose des questions liées au sens de l'existence. Ah oui. Questions comme quel est l'essence de ma vie, pourquoi j'existe, qu'est-ce qu'il y aura après, ou qu'est-ce qui justifie mes actions? Dès qu'on pose des questions de ce type-là aux êtres humains, on voit qu'il y a cette partie du cerveau là, dont je vous parlais au début, qui s'appelle le cortex singulaire, qui entre en jeu et qui réagit spécifiquement quand on a un sentiment d'absurde dans notre vie. Quand on n'est pas en phase avec ses valeurs, ou quand on a l'impression que ce qu'on fait n'a aucune utilité, ou qu'on est confronté à des points de vue de personnes qui sont vraiment trop différents les uns des autres et que la société ne tient plus debout, ce que Émile Durkheim appelait le sentiment d'anomie, de désordre social. Et cette partie de notre cerveau, au contraire, quand on arrive à accorder ses valeurs, ses opinions avec ses actes, elle est dans un état d'apaisement profond qui annule complètement toute forme de stress et qui fait qu'on peut traverser en fait des situations assez difficiles, y compris une réduction d'un certain nombre de confort, hein, de vie quotidienne ou de plaisir, à condition de trouver une cohérence. Et elle a aussi des racines évolutionnaires très très anciennes. Elle a commencé à se développer. On en voit déjà même des ébauches hein, chez des petits macaques. Hein. Donc probablement que nos ancêtres en avaient il y a très très longtemps. Il y a un lien entre cette partie du cerveau et les systèmes de croyance, les systèmes de description du monde qui donnent sens au monde, toutes les cosmogonies, vous savez, les récits des origines, les mythes des origines. Dès qu'on se fait une représentation du monde qui explique les choses de façon cohérente, on arrive à apaiser aussi cette partie de notre cerveau. Et les rituels collectifs aussi, également apaisent cette partie de notre cerveau et tout l'axe du stress qui lui est connecté. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on manque peut-être de rituels aujourd'hui. Hein. Les civilisations, traditionnellement, étaient vraiment basées sur des rituels qui ont ensuite été mis en forme par des religions, puisqu'on sait aujourd'hui, grâce aux études en anthropologie, que dans l'échelle chronologique, il y a d'abord eu émergence de rituels collectifs et ensuite de religions moralisantes, et que ça a été les colonnes vertébrales des civilisations humaines. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de rituels collectifs, sauf
confession par confession, chapelle par chapelle, mais de rituels qui unifient la société, pas vraiment. Et les grands systèmes de sens qui décrivaient de façon intelligible le fonctionnement du monde pour tout un chacun, aujourd'hui, sont très fragmentés. Ou alors, ce sont des systèmes d'explication du monde scientifique qui font appel à des modèles mathématiques très, très complexes et qui parlent plus vraiment aux catégories instinctives du sens, on va dire. Donc, il y a un vrai enjeu de reconstruire des systèmes de sens partagés, des visions du monde partagées, un vocabulaire que chacun puisse comprendre pour expliquer ce qui nous arrive et, si possible, des moments de rassemblement où chacun a l'impression de faire partie d'un même groupe, quoi. Ça, la notion de groupe et la notion de sens, ça va cibler exactement la même partie du cerveau. On est dans une crise du sens et une crise d'appartenance aussi. C'est pour ça que chacun cherche un petit groupe sur Internet, un petit groupe de croyances, un petit groupe conspirationniste pour se sentir avec des gens où on a l'impression de faire partie d'un groupe. Et ça, c'est un instinct profond du cerveau humain qui se situe aussi dans le cortex singulaire antérieur. Donc, les neurosciences existentielles peuvent nous dire « Ah 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 !» Eh bien, si on acceptait de trouver plus de sens, plus de cortex singulaire antérieur, et moins de consommation, de plaisir, moins de striatum. Oui, ou un plaisir qui ne fait pas de mal, qui ne soit pas addictif, quoi. Voilà. Et alors, on a des indices en ce sens, puisqu'on voit, par exemple, que chez des personnes qui sont en vraie crise de cohérence interne, souvent, il y a des comportements compensatoires pour tenir le coup. On va consommer, parce que ça permet d'avoir un shoot de dopamine qui fait qu'on oublie. Moi, j'ai même entendu des gens dans les situations, dans la finance que je décrivais, hein, une certaine forme de finance, hein, je ne veux pas diaboliser la finance, je pense qu'elle est très importante pour faire dans des projets durables, mais dans cette finance prédatrice-là, des gens qui me disaient, moi, je n'ai plus le temps pour vivre, je n'ai plus de temps pour ma famille, je ne sais pas si ce que je fais a du sens. Alors, quand j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai vraiment dépensé pour au moins que ça vaille le coup, quoi. Donc, il y a vraiment ce système de vase communicant qui nous montre que peut-être si on se trouve plus de sens et de cohérence en nous-mêmes, avec les autres, avec notre futur, peut-être que le besoin de se shooter de dopamine en hyper-consommant serait totalement, en fait, secondaire et dérisoire. En tout cas, c'est une possibilité qui semble assez attestée aujourd'hui. Oui. Et une dernière chose, parce qu'on m'a posé une question sur les mythomanes, mais les mythomanes pathologiques. Ouais. Comme il y a cette histoire de représentation du monde, est-ce que vous avez un peu étudié ça, qui se racontent des histoires, mais qui y croient, hein, vraiment, en plus. Je viens de lire un article là-dessus. C'est pas très bien défini en psychiatrie, il y a un débat. Est-ce que c'est un diagnostic psychiatrique qui doit entrer dans le manuel de psychiatrie international ou pas? Effectivement, il y a des études qui montrent qu'il y aurait... C'est intéressant, la tendance à affabuler. On raconte tous des petits mensonges de temps en temps. À peu près un mensonge par jour en moyenne, apparemment. Mais il y a 1% de la population qui affabule totalement et qui fait plus de 20 mensonges par jour. Et quand on les interroge, ils vous disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parfois, c'est sans raison, parfois, c'est totalement gratuit. Et donc, c'est un mystère. On ne sait pas s'il y a une addiction, en fait, de créer une sorte de situation de mise en danger, de prise de risque, le fait de raconter n'importe quoi pour voir jusqu'où ça peut aller. Parce qu'il est vrai que la dopamine a une connexion aussi avec le risque. Hein. Il y a des moyens d'avoir un boost de dopamine en prenant des risques. C'est bien documenté, l'addiction au risque chez les base jumpers, les skieurs de l'extrême. Mais on ne sait pas exactement ce qui fait qu'il peut y avoir une addiction en fait, de raconter des bobards. Il y a des gens qui y croient. Ouais. Moi, j'ai connu des personnes âgées qui racontaient des histoires alors que leur fille a vécu la même chose et elle racontait une histoire totalement différente. Et elles y croient. Ah ! Aussi. Ah, oui, c'est pas une mythomanie, oui. Mais ils refont leur passé d'une façon différente. Oui, oui. Non, là, on est effectivement dans ce que ça montre, c'est la prééminence du narratif sur la vérité. Ouais. Et ça, c'est très profond. C'est-à-dire que peut-être que la première fonction de cette partie de notre cerveau, du cortex singulaire, c'est de chercher des narratifs, quelque chose qui tient ensemble. Et que ensuite la confrontation avec l'observation et la réalité est secondaire. Moi, je crois assez à ça. Et en tout cas, on voit très bien, par exemple, que des personnes qui sont mises en situation de stress
dans des situations où ils n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe autour d'elles, où ils n'arrivent plus à déchiffrer le monde qui les entoure, quand on leur propose ensuite des narratifs simples, parfois même totalement fantasmés, voire conspirationnistes, ils vont avoir tendance à y croire beaucoup plus facilement parce que les connexions sont simples. La lisibilité est améliorée. Souvent, dans les théories conspirationnistes, il y a une lisibilité très claire, tout a un sens. Pour ça que quand on est en perte de sens dans sa vie, on est peut-être vulnérable aussi à ces interprétations parallèles. Ouais. Mais écoutez, Sébastien Boller, je redonne votre livre qui est, moi je le trouve remarquable, très facile à lire, très bien documenté. Lisez également Le Bug Humain. Si vous voulez changer d'alimentation, je sors mon livre fin mai, Symbiotique, chez Thierry Soucard. Bon, voilà, on vous donne tous les codes, tous les éléments pour avoir une vie meilleure en contribuant au bien-être des autres et de la planète. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous tous ces éléments. J'espère que ça va vous amener des réflexions. Ce livre, en tout cas, si vous le lisez profondément, il va vous amener à bien réfléchir. Alors, non pas pour mon striatum, mais pour que la chaîne continue à générer des interrogations, qu'elle puisse être présentée. On appelle ça l'algorithme. Vous mettez des petits pouces, vous vous abonnez à la chaîne, vous le faites tourner la vidéo. Moi, ça ne me rapporte rien. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, hein, vous le savez, Sébastien. Moi, votre livre, je ne toucherai rien là-dessus. Mon plaisir de partager avec vous ces connaissances pour qu'on soit ensemble dans un monde meilleur, pour qu'ensemble nous développions notre cortex préfrontal, que nous ne mangions pas n'importe quoi, que nous soyons ensemble en famille avec nos amis d'une façon respectueuse. Tout ça fait que ça m'amènera du bien-être et c'est pour ça que je voulais présenter ce livre avec vous. Voilà. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci de cet échange passionnant et très... Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et mon striatum est tout à fait nourri. Donc, à tout bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir à tous.